Allô? Bonjour chérie. Oui, je vais bien. C'était juste pour vous informer que je suis à la maison avec l'argent. L'argent que vous m'avez laissé était insuffisant. La fois passée, j'avais transféré un très grand montant. Je dis bien, la fois passée, j'avais envoyé beaucoup d'argent. J'avais acheté les matériels. Non, 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 non. Tu penses qu'au Congo, nous ramassons de l'argent? Dans ce cas-là, tu vas te débrouiller. Je vais me débrouiller pour moi, chérie. Je n'ai rien. Je n'ai rien sur moi, vraiment. J'ai dit et je termine. Et quand on aime, on peut tout donner. Et moi, si j'aurais été le président de ce grand pays qu'est le vôtre, le Congo, j'allais te donner la province du Nord Kivu. Rien que pour toi. Ça, on a coulé dans les capettes. C'est vrai. Façon, il n'y a pas les Indiens. Mon Dieu, une belle créature comme toi. Il a pris un verre de clos. Et ça fait combien de temps qu'il est là? Il est là depuis plus d'une heure. Je vais essayer un peu le libérer et puis je retourne. N'est-ce pas? Okay. Et vous venez d'où comme ça? Quoi, Kanis? À l'église. Quand Songo est passé ici, il est très très fâché contre toi. Parce qu'il t'a appelé toute la journée sur ton téléphone. Ça passait et tu ne décrochais pas. Tu étais où? Maman, elle commence à tromper Kasongo. Je l'ai vu de mes propres yeux avec un autre homme. Toi, tu feras mieux d'aller vite les chercher chez lui. Fais vite, allez, bouge-toi. Écoute-moi bien. Et ça, n'oublie pas. Qui trop embrasse mal étreint. Sandra, est-ce que tu peux venir dans la chambre? Si je me sens à l'aise. Sandra, c'est ça fait longtemps dans la chambre c'est mis, non? Je t'avais dit qu'ici j'aimais ça confortable. Mais tu es ma femme. Ta femme? J'allais t'a mal écouté. Je m'en doutais, c'est comme si tu couches déjà avec ces deux. Mais de quoi tu parles?